Salut les filles, aujourd'hui je vous retrouve pour Poupoupidou, c'est-à-dire My Little Red Carpet Box, ici. Alors, elle est tachée à l'intérieur, donc je suis assez déçue. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, là, parce qu'en fait j'ai le parfum Elisab qui a cassé dedans, malgré que les produits m'ont plu, je veux dire que voilà, je suis quand même très déçue qu'elle soit cassée et que du coup je peux pas profiter du parfum parce qu'il sent bon, parce que je le sens comme ça. Mais sachant que voilà, il a pété dans le truc, apparemment je suis pas la seule en plus. Je suis quand même déçue. Je sais pas ce qui s'est passé avec My Little Box. Mais vraiment, je sais pas trop quoi penser. J'espère que ils vont pas nous rembourser, mais je veux dire nous offrir quelque chose en échange, parce que j'ai ça qui est cassé, mais j'ai aussi donc là on a eu le L'Oréal, le chignon en 5 étapes, et en fait j'ai deux pages qui sont collées, donc je peux pas voir le tuto. Et moi ça m'aurait vraiment intéressé parce que j'aime bien faire des coiffures un petit peu sympas comme là. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait dans My Little Box? Donc le petit livret. Donc avec à la fin un petit échantillon de shampoing. J'ai tellement de shampoing que je ne sais pas si je vais l'utiliser, mais bon voilà. Sinon il y a des petites choses sympas dedans. Des autographes, please. Je ne l'ai pas trop feuilleté en fait, donc je ne peux pas trop vous en parler. Il y a des recettes, des trucs, voilà. Des adresses, des trucs sympas. Mais bon, vu que je pense pas que je vais aller à Cannes, voilà. Les petites fiches, comme ils savent bien les faire, j'aime bien. Donc celle-là, c'était le discours de secours si vous avez la palme. C'est très rigolo, voilà. Des cartes sur table avec des grands films comme Dirty Dancing. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Amélie Poulain, que j'adore. Casablanca, Le Mépris et Some Like quoi? Je sais pas. Alt, Hot. Donc c'est pas des films que je connais, pourtant Marilyn je l'adore, mais j'ai jamais vu. Donc voilà. Ensuite on avait toutes reçu donc l'année, donc le Red Carpet Ticket. Malheureusement pas cette année pour moi. Donc voilà. Ensuite, malgré le petit flop de Elisa, puisqu'il est cassé, j'ai quand même eu des jolies choses. Alors, le goodies My Little Box pour l'iPhone. Par contre, j'ai pas d'iPhone, donc voilà, c'est un peu dommage. C'est ballot, j'ai envie de dire. Ensuite, la crème révélatrice de jeunesse. Une crème de jour pour les premières rides, les signes de fatigue et pour le teint terne. Alors, je la trouve vraiment super. J'ai 26 ans bientôt et je pense qu'elle est parfaite justement pour cette transition entre l'adolescence jeune femme et la femme. Parce que voilà, moi j'ai 26 ans, je commence à avoir les rides d'expression. Voilà, donc vraiment je pense qu'elle est parfaite. Donc pour notre âge, pour de toute façon, j'ai envie de dire, les box c'est souvent les jeunes femmes entre 18 et 35 ans qui l'utilisent, donc du coup je pense que c'est parfait. Bien entendu il y a des femmes un peu plus mûres, on va dire, qui l'utilisent également. Pourquoi pas aussi, je pense que ça peut très bien aller. Genre ma mère, elle a pas trop de rides, donc je pense que ça serait parfait pour elle. Donc voilà. Alors, elle est assez lourde, donc voilà. Je l'ai déjà testée ce matin, et franchement, elle est très bien, quoi. Pour une première utilisation, je suis vraiment bluffée. Voilà. Donc il y a 50 ml dedans.
Après, elles sont la crème, j'ai envie de dire. Elles sont pas quelque chose de particulier. Elles sont vraiment les crèmes normales, quoi. Donc, elle est blanche. Elle est assez crémeuse. Voilà. De toute façon, c'est pas un test comme ça le matin, une fois qu'on peut savoir. Ah, il y a un truc là, j'avais pas vu. Donc, on peut savoir comment c'est. Donc, voilà. Elle va rejoindre mes petites crèmes du matin. Ensuite, j'ai eu le Elnett Satin Lac Fixation Forte. Alors, je suis assez contente parce qu'en ce moment j'utilise justement des lacs, donc j'ai envie de dire c'est parfait. Je pense que vraiment les crèmes, enfin tout ce qu'il y a dans la box quand même correspond bien à ce Red Carpet et au Festival de Cannes. Je pense que vraiment ils ne pouvaient pas mieux tomber. C'est vraiment parfait leur petite box. Même voilà le petit flop. Bon, évidemment, il y a le flop, mais voilà. Sinon, par rapport. J'ai envie de dire à la laque normale, voilà la différence. Un petit peu, mais bon. Sachant quand même que le Elnett coûte 8 euros et quelques, je crois, enfin un peu plus de 8 euros le fixateur. Je suis satisfaite parce que celui-là, je l'ai payé beaucoup moins cher. Ouais. Donc c'est Leader Price, c'est beaucoup moins cher. Ou même s'il fait le même effet, hein, voilà. Il est vraiment. Je crois que c'est 2 euros ou même moins de 2 euros. Je ne sais plus, je ne peux pas vous affirmer exactement le prix. Mais c'est vraiment pas cher. Et là, on a quand même de la marque et tout. Donc voilà. Ensuite, le petit. Alors, c'est donc l'embellisseur de lèvres éclat minute de Clarins. Donc petit format. Mais vraiment, il est très bien, je trouve. Je l'ai testé ce matin. Donc, il y a une petite mousse avec un embout comme ça. Et donc, voilà, il y en a un petit peu dessus. Je l'ai mis et ça me faisait vraiment des très belles lèvres. Et j'adore. Donc, de toute façon, je suis fan de gloss. Donc, c'est parfait. Et pour finir, ce magnifique mascara Volume Million de cils. J'ai déjà utilisé puisqu'il a bougé. Donc spécial aussi pour le Festival de Cannes puisque c'est marqué dessus. Maquilleur officiel. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Et vraiment, déjà le package est vraiment sublime, je trouve. Voilà. Et je l'ai essayé. Je l'ai sur moi là. Et vraiment, il est magnifique. Il vous fait pas de paquet. La brosse est super. Et vraiment, j'adore. J'adore, j'adore. Il est trop, trop bien. Et celui-là, je pense qu'il va être vite terminé parce que je pense que je vais l'utiliser régulièrement. Puisque vraiment, ça te fait des super cils. Et en même temps, comment dire, ça te fait des super cils, mais pas des trucs énormes. C'est juste. Ben superbe. Alors je sais pas si on voit trop là. Donc vraiment, il fait des très beaux cils, mais pas des trucs énormes et pas non plus trop fins. C'est juste parfait. Voilà. Donc j'espère que la découverte de ma little box Red Carpet vous aura plu. Voilà. Donc dans l'ensemble, je suis vraiment très satisfaite, comme toujours avec My Little Box. Sauf, voilà. Évidemment, là, ça me. J'espère vraiment qu'ils vont se rattraper parce que là, sur le coup, je suis vraiment déçue, sachant aussi que je ne suis pas la seule. On est beaucoup à avoir eu ce problème. Donc, à voir. Et puis, du coup, le petit livret, ça m'embête un petit peu qu'il soit collé comme ça, puisque je peux pas l'utiliser. Donc, voilà. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Bye!